pique un petit vrai nom. Robin Van Persie. Boum. C'est bon ça. Petit 88 pour commencer. Voilà. Plus mauvaise semaine. J'ai dû faire à peine. Ouais, je sais pas combien de crédits, mais j'ai dû faire à peu près 1 million. Alors évidemment, pour certains, c'est beaucoup. Cuadrado. Cuadrado. Oh là 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 là, ça commence fort, ça commence fort. Petit Cuadrado qui vaut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ça vaut dans les 20 000. Ça se prend. Bon, je l'ai déjà, donc on va le passer sur la liste des transferts. Voilà. Allez, 20 000 crédits. Bien, bien. Il traîne un peu la caravane quand même hein, avec lui. Hein. Et toute la famille derrière. Hein. C'est un peu compliqué, là. Griezmann. Je l'ai même pas. Je ne l'avais même pas. Mais voilà, ça c'est un bon petit joueur, c'est un petit Griezmann. Bon, malheureusement, ça vaut plus beaucoup de crédit, mais bon. Ah, les gros joueurs sont très très chers. Hein. C'est très très cher. Bon, l'avantage avec mes 8 millions, je pourrais me permettre d'acheter un Messi ou un Ronaldo. Hein. Ça c'est déjà pas mal. Oh, Lucas! C'est bon ça aussi. Et voilà! Voilà les petits joueurs qui sont sympas à 82. Pas dit. Ça c'est quand même des joueurs qui sont plutôt rares. Shakiri Boost. Ah ouais, peut-être. Pas mal ça. Oh, Farfan à 83. Je veux mieux que Farfan. Oh, la porte aussi. Je veux mieux que Farfan à 83. Voilà, Cuadrado c'était bon à 83. Farfan c'est mi-figue mi-raisin quoi. Liste, en gros, il faut juste penser, regarder les joueurs où il y a énormément de flux. Les joueurs où il y a énormément de flux, forcément, c'est là où il va y avoir énormément d'achats du Dunedin. C'est bon ça. Oui, monsieur Dunedin. Roberto, ça va pas valoir grand chose. Ah, c'est pas mal. Une grosse carrière et en partant de Lille, il a tellement fait un mauvais choix de carrière. Ça arrive malheureusement sur certains joueurs comme ça. Mario Götze. Oh, c'est bon ça, et voilà. Je me refais ma team allemande. Parce que je l'ai revendu un peu, hein. Sinon j'aurais pas eu de crédit pour ce soir. Si je l'avais conservé intact, rencontré qu'il y avait Begovic en gardien. De but, pourtant au prix qu'il est, on peut choper des gardiens qui sont aussi intéressants. Je sais pas, il y a un petit amour pour Begovic. Pourquoi? Ouh, Cazorla, même Rudy Garcia, ça coûte des crédits, ça se vend bien, Rudy Garcia. Ah, voilà un bon petit rentré dans filet, c'est ça. Ah oui, Lyon, ça. Bon, vous pouvez me donner le score réel de Marseille, s'il vous plaît? Allez. Oh là là. Ah mais ça fait plaisir. Oh là 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 là, c'est bon. Oh, je le kiffe. Je le kiffe. On va regarder quand même. Pardon, un petit retouto. Ils mettent leur joueur un peu plus bas que le plus bas prix, mon cher Anno, 83. Ils mettent leur joueur un tout petit peu moins cher que le moins cher qui existait. C'est-à-dire que si c'était à 100 000, ils vont le mettre à 98 000 et peut-être avoir de difficultés à faire de l'achat en vente. Rien qu'en suivant ces conseils qui sont basiques, il y a même des petits logiciels qui nous permettent, en tout cas, d'avoir... Barzagli, j'aime bien ça aussi, petit 83. Il y a des petits logiciels qui vont vous permettre de calculer automatiquement pour la technique. Après, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se mette ensemble, qu'on fasse la vidéo ensemble, que tu partages ton écran, et que je puisse voir les joueurs qui sont à quel prix. Pour le moment, c'est compliqué parce que tu vois les différences qu'il y a entre les prix des joueurs PC et ceux qui sont sur... Ouh, bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Bon, ça vaut rien. Ouais, mais bon, 700 000 crédits, moi je suis pas dans ceux qui veulent acheter un seul joueur. Après, les joueurs un peu plus chers qui sont intéressants, ben, pareil. Ouais, 80 000, Marcelo. Ça vaut des crédits, un petit Marcelo, tu vois. On en parlait, ça c'est 30 000.
Direct 30 000. Voilà. 36 000, voilà. C'est 30 000. Ça c'est bon, un petit Marcelo. Bon, on a fait un peu plus hein, d'opening pack. Là c'est vraiment un très très gros opening pack hein, parce qu'on va avoir fait 1,3 million d'opening. Donc c'est vraiment très très gros. Sterling. Sterling, c'est bon. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas le Sterling. Pour un peu de crédit, hein, qui est dans les 5-6 000 crédits. C'est pas mal, c'est pas mal. Connecté par l'autobailleur. Donc il faut l'accepter. Et donc vous allez recevoir un message par mail pour vous donner le code. Donc là vous allez rentrer, ça va marcher. Et au bout d'une demi-heure, ça va rocher. William, 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 William. Oui, je te dirai pas par Skype ou par Origin, t'inquiète pas, Loïc, je te dirai ça. William, ça c'est bon. Voilà, ça, là ça remonte. Mais on se retrouve la semaine prochaine à 20h30 au même endroit. J'espère que ce live vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. C'était Robert 87 000. Allez, ciao.